il y a des sourates où j'étais effrayé. Kadamou, Fa'aqaroha, ils ont tué une chamelle injustement, et cette chamelle leur a valu une catastrophe divine, une espèce de cyclone énorme. Et c'est dans les sourates que nous apprenons, même la dernière, celle du susurrement du diable. Pour moi, je ne sais pas, c'était peut-être un enfant particulier, ça m'effrayait quand j'étais petit. Mais je me dis, après tout, c'est le Coran et je dois me résigner à cette peur. Je n'avais pas toute cette pensée-là. Et ce n'est pas, c'est subjectif ce que je dis. Maintenant, votre dernière remarque est beaucoup plus élaborée, beaucoup plus proche de propos philosophiques, oui. Moi, je crois que c'est la même chose. Je crois que l'inspiration pour programmer l'itinéraire d'une abeille, pour programmer les mouvements telluriques de la Terre, c'est la même chose pour programmer la pensée humaine. C'est en cela, je suis plutôt spinoziste. Je crois que la dynamique du monde, toute la dynamique du monde, dont je connais une partie, et je connais une partie indirectement grâce au télescope, grâce à des hypothèses, des suppositions, des calculs éloignés, que toute la dynamique, si je la perçois, si j'avais la possibilité de la percevoir dans sa totalité, ça serait Dieu. C'est ça Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être ailleurs que dans cette totalité dynamique du monde. C'est lui, le divin, c'est la totalité du monde. Et celui qui le personnalise, qui le croit à l'extérieur de cette dynamique totale du monde, lui donne une existence autonome, et donc autour de lui, il y a autre chose que lui. Et il est entouré par autre chose que lui, ce qui est quelque chose d'absolument interdit dans l'islam, shirk, c'est l'associationnisme. Moi je crois que le seul philosophe compatible avec la civilité pour condamner le shirk, associer Dieu à autre chose, c'est bien Spinoza. Spinoza ne peut pas être mouchrik, ne peut pas être associationniste. Dieu, c'est la dynamique totale qu'il fait mouvoir. C'est lui. Pourquoi voulez-vous qu'il soit ailleurs, qu'il soit quelque part extérieur comme un roi dans son palais? C'est ma conviction. Et c'est ce Dieu, c'est-à-dire la nature, que moi j'adore. Comme je vous permets d'adorer le Dieu que vous voulez.